Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Clivewood et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc en fait c'est un concept de vidéo qui me permet en fait d'apprendre à jouer un perso. Donc là je vais faire plusieurs games, mais pour cette game, donc je joue Lucian. Pour cette game je vais vous la mettre en entière. En fait le concept c'est que je vais tourner des games, plusieurs, et je vais vous faire un système de moves que je vais faire. Donc je pense que ça va être ça comme... Enfin c'est un peu bizarre, vous verrez bien quand elles sortiront de toute façon à quoi ça va ressembler. Donc voilà. Donc pour l'instant, en fait, ce concept va juste être juste pour les premières parties. En fait, avec Lucian, ça va être des parties complètes. Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas encore tout planifié. Bon, bref. Donc normalement, j'ai réglé le problème où vous pouviez entendre ma souris. Normalement, ça ne s'entend plus. Donc Lucian, ok, attendez, déjà le son, on va se détendre. Donc normalement, j'enregistre le son avec. Mais je le mets pas trop fort parce que moi, ça m'explose les oreilles. Donc voilà, donc frappe, ça me fait des chutes FPS de temps en temps, donc il est possible que je lag, comme dirais-je. Mais normalement, je me suis mis en... Non, je me suis mis en médium, d'accord. Donc voilà, chutes FPS, déjà, ça commence bien. Donc voilà, 30 secondes, je reviens vite fait. Ok, je vais pas faire de coupure pour un si petit instant. Donc voilà, donc on commence Doran Blade avec une petite trinket pour warder tout ça. Donc j'ai pas regardé qui avait en face. H c'est pas mal, mais le souci c'est que je trouve ça en fait c'est un peu... on va dire ça a pas beaucoup de mobilité. Contrairement à Lucian, là par contre je pense que je vais vraiment lui mettre très très cher. Elle peut me mettre cher au début, on va dire ça cela fait pas mal de dégâts avec un bon coup critique au début qu'elle me place. Si elle le place sur un creep, là j'attaquerai, je lui mettrai deux autos, dash deux autos. Donc je commence par le dash pour être très agressif au début. Lucian, c'est un perso où il faut vraiment être vraiment, comment dire, devant et vraiment foutre un max de dégâts. Pourquoi? Parce que lors du patch 4.12 de League of Legends, Riot a réduit considérablement sa portée. Ce qui fait qu'en fait elle est passée de 550 à 500 de portée. Qui est très très bas. Caitlyn, je crois qu'elle est pas loin de 700, je crois, truc du genre, je sais plus. Donc c'est énorme. Donc là on va faire dash qui active le passif qui est le double shot, donc vous allez tirer deux fois. Donc je vais vous expliquer d'abord. Donc moi je me barre déjà pour farmer. Lucian, ça, ok, pas par ici. Là déjà il y a la hache, là elle peut martiller un petit coup fatal, mais non, elle a pas son passif. Donc voilà. Donc le passif de Lucian, c'est quand vous allez utiliser une compétence, voilà, il va en fait exécuter un double shot qui va faire extrêmement mal. Et ça va être le système de poke avec le A qui va vraiment être hyper intéressant et ultra puissant. Donc voilà. Donc c'est ça qui va être intéressant. C'est ça qui va être intéressant sur Lucian. Voilà. Donc 30 secondes. Ok, pas du tout. Pas du tout. J'ai des petits gens qui viennent m'embêter. C'est très très vilain. Donc là, je me suis pris sa slave. Là, je loupe beaucoup de CS. Donc je me suis mis en smartcast parce que c'est un perso du coup que je me suis entraîné un peu avec. Du coup, il n'y a aucun souci avec ce perso. Normalement, j'arrive bien à tout placer. Donc Rammus sup, moi, c'est pas hyper intéressant. J'ai cru bien que j'allais tomber sur une Caitlyn à un moment. Caitlyn support, dégueulasse. Après, il y a le nouveau skin qui est sorti. J'aurais bien aimé le voir dans une de mes games. Je l'ai pas encore vu. C'est pas un perso méga joué. Voilà, on l'agresse avec le bout du A. En fait, je vais continuer à vous expliquer. Le A, c'est très simple. Vous allez cibler une cible. Donc voilà. Et en fait, elle va faire des dégâts. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, je vais cibler celle-là. Celle-ci. Ça va faire des dégâts. Et à celle qui se trouve derrière ou sur les côtés avec les hitbox. Donc c'est très intéressant pour Arras. Malheureusement, il faut être
un poil ce qu'il est. Voilà. Faut avoir un peu de skill. Comme ici par exemple. Hop là. Donc elle vient de monter son niveau 3. Je vous avais dit que Lucienne c'est vraiment très agressif. Là je lui ai mis, je sais pas moi, 2 Q-spell et elle est déjà mid-life quasiment. Donc voilà. Donc le Z, une fois niveau 4, je vous le présenterai. Allez, dégage toi. On va pas utiliser le flash quand même. C'est chaud. Ok. Normalement, je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Donc elle a Ignite. Donc voilà. Le E, c'est un dash qui va proc justement votre passif et qui est vraiment hyper intéressant. Le dash, c'est celui que je prends en premier, c'est celui qui va, on va dire, commencer l'engage. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un perso qui a peu de mana, qui utilise beaucoup de mana. Et l'avantage justement de prendre son E au début, c'est que no cost. Elle ne coûte pas de mana. Ce sort ne coûte pas de mana. Et donc, vous pouvez le spam jusqu'à vraiment push la wave. Voilà, le désavantage, c'est qu'elle met quand même 18 secondes de cooldown au début à arriver. Ensuite, je vais vous présenter les sorts au fur et à mesure qu'ils viennent. Donc l'ultimate est hyper intéressant, je trouve. C'est vraiment un très bon ultimate. Le problème c'est que vraiment je pense qu'il faut le mettre vraiment au tout début parce que vous pouvez pas tellement l'utiliser en finisher. Ça va être plutôt dur. Donc là le Nunu va essayer de ralentir. Voilà, il l'a ralenti. Alors maintenant je vais pouvoir vous présenter. Ça c'est le Z. En fait c'est un. Vous balancez un espèce de. Une espèce d'étoile qui en fait va toucher un adversaire. Et si vous touchez l'adversaire que vous avez touché avec cette étoile. Donc avec une auto-attaque, vous allez en fait gagner un bonus de move speed, je crois que c'est 30. 30 de move speed, ce qui est très intéressant pour chase ou fuir. Attendez, là il y a Larry. Ok. Très bien, bon bah Larry, je crois qu'il y a des AFK dans leur... Non, pas du tout, pas du tout, c'est juste qu'il n'y a pas de bot. Il n'y a pas de support, leur équipe c'est le gros bordel. Moi mon Rammus, lui, il se barre, lui, voilà. Il est comme ça mon Rammus. Donc voilà, donc là j'ai un farm dégueulasse. Hein. Hop, pauvre con, tu croyais que j'allais me le prendre. Luxa, tiens, bim. Toi t'es con par contre. Je sais pas, normalement vous devriez bouger contre un... Hop là, le gros qui nous fait passer une level. On max le A car il fait énormément de dégâts et... C'est le sort à maxer en fait. Hein. Faut pas chercher. Ok, donc là c'est chaud parce que... Hop, le bisou qui ne passera pas. Évidemment, j'avais tout calculé. Pour de vrai, c'était chaud, hein, là. Donc, là, j'ai eu peur parce que je l'ai vu commencer à farmer avec son... Son A, la Frost... La Frost, je sais plus quoi, là. Ouais, c'est beaucoup plus... Ça fait beaucoup plus de damage au début. Le petit Lucian. On va prendre une popo. Par contre, dès que j'aurai l'ultimate, je vais lui mettre super cher. Hop. La baballe n'est pas passée. Voilà. Je lui mets masse dégâts. En fait, le truc, c'est qu'avec Lucian, si vous reculez, vous êtes foutu. Le but, c'est vraiment que si on vous attaque, pourquoi pas les... Vous faites beaucoup plus de dégâts en early qu'un autre ADC. Pourquoi ne pas lui marave la tronche? Je ne comprends pas le délire des Lucian qui se disent « Oh là là, on va jouer safe comme ça. Après, la game sera facile pour nous. » Pas du tout, hein. Lucian, c'est ultra fort. Et au début, je conseille vraiment de jouer agressif. Évidemment, il faut avoir un support. Et quand on n'a pas de support, c'est un peu compliqué. Hein. Donc voilà. Donc l'ultime de Lucian peut très bien être... On change un peu de sujet. Peut très bien être utilisé soit sous forme de push. Donc vous allez voir, c'est vraiment hyper intéressant. Même si ça fait longtemps que le perso est sorti, du coup, je ne vous apprends rien. Par exemple, dans cette situation, voilà. C'est ça, l'ultime de Lucian. C'est en fait vous mitrailler avec vos... Je sais pas... Vos pistolets laser, voilà. Et voilà, donc en fait ça fait énormément de dégâts. Premier niveau, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Franchement, Lucian, vous allez pas finir quelqu'un avec le... Ok, pas du tout. Pas du tout. Vas-y, prends-toi le bisou, toi. Fais attention. Hop. Toujours essayer d'optimiser votre A. Pour ne pas toucher qu'une seule cible, c'est vraiment idiot. Donc là, je back, tout simplement parce que il me faut du stuff et que... J'en ai pas à disposition. Je me suis foiré. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va directement prendre les bots. C'est pas un stuff conseillé. Hein. Là je teste.
Donc on prend les bottes pour revenir vite parce que c'est une game un peu what the fuck. Donc autant prendre un stuff un peu what the fuck. Voilà, ouais, voilà. Donc Teemotop, il voulait aller ADC au début. Moi j'aime pas trop, hein. Teemo ADC c'est vraiment pourri je trouve. Hein. C'est vraiment pas top. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Bon, bon, bon. Alors. Donc j'ai mes petites bobottes qui vont me permettre en fait de chase là. What? Les damage. Pardon. Donc là, il y a l'ultime de H qui va faire extrêmement mal, qu'il va falloir éviter. Donc moi, j'ai pas de soucis pour l'instant, j'ai mon flash. Hop, first kill. Pour moi, bien sûr. Ah, dommage. Double kill. C'est dommage, hein, parce que là, si c'est, on aurait pu tuer beaucoup plus tôt la Harry. Et donc, leur ami serait pas pris aussi cher. Voilà. Donc là, oh là là, je me suis foiré. J'étais mal incliné. Erreur de ma part. Ah, leur ami, je sais pas, j'ai pas réagi pour l'autre. Bon, bref. 2-0. Bon, cette game est un peu... On avait une game aussi, j'avais fait une game, donc une test avant. J'étais parti du coup. J'avais peur de plus savoir le jouer. Bon, bref, évidemment, je sais toujours jouer après. Voilà. Mais donc... Et donc, en fait, on avait une game un peu bizarre. Hein. C'était en fait un Aatrox qui a pas dû avoir sa jungle. Du coup, il était vénère. Et en fait, il venait sur notre lane. Il disait... le perso qui voulait qu'il le tue en fait. Donc moi j'étais avec un Blitz support. Il disait en premier Blitz kill me please. Donc bah, Blitz l'a tué, je l'ai laissé le tuer. Bon, voilà, bizarre. Il est revenu. Lucian, kill me please. Il revient encore une fois sur ma lane après. Lucian, kill me please. Voilà. Comme ça tout le temps. Oh putain. J'ai cru à son ultime. Ça aurait été la merde. Bon. Je vous déconseille Lucian en caméra lock. C'est vraiment dégueulasse. Alors par contre c'est un bon combo Harry, Harry H. Hein. Alors, voilà. Donc c'est un bon combo comme je dis. Parce qu'en fait, il suffit d'un bisou. Et la H peut facilement placer son ult. Après, si elle est conne, évidemment. On met l'ult. Je suis mort comme une merde. Bon bref, j'ai eu kill. Donc, c'est un combo qui peut être vraiment intéressant. Malheureusement, la hache ne sait pas jouer. Donc, voilà. Donc après, voilà. Fin du round. Voilà. Donc, maintenant... Voilà. Donc maintenant, vous avez plusieurs choix à faire avec Lucian. Vous avez plusieurs choix à faire avec Lucian. Donc, soit vous maxez le Z, soit le E. Soit le A. Donc, comme tous les persos, vous pouvez maxer n'importe quel sort. Le A est très intéressant puisqu'il fait énormément de dégâts. Donc voilà. Tandis que le Z, lui, peut placer juste une marque et gagner. En fait, plus vous allez augmenter le sort, plus vous pourrez gagner de mouvement de speed avec. Ce qui est intéressant, donc. Alors, attendez, est-ce qu'il va faire le kill? Hop, on flash carrément. Les masses de dégâts! Donc il l'aurait eu, hein, bien sûr, mais bon, nous on veut le kill. Hein. On veut le beau jeu, même si c'était pas très beau. Hein. Moi je veux ce creep. On va prendre une popo, donc voilà. Donc perso, moi je max le E pour en fait, c'est la distance qui s'augmente. Au revoir! On se fait une bouffe! Bon voilà. Donc ça c'est un peu deux game what the fuck, donc je vais les mettre quand même, hein, parce que les game what the fuck, c'est toujours, hein. Donc est-ce que je vais arriver à la tour avant la fin de mon... Hop, on a la tour. Donc c'est parfait, maintenant on va pouvoir bouger. Donc c'est vrai que c'est chiant leur lit. Mais bon, c'est une partie importante du game. C'est même la plus importante, je pense. Donc voilà. Donc là on a fini de push. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup on a beaucoup de gold puisqu'on va faire 2 kills. Et qu'on va prendre l'IE maintenant. L'IE, pourquoi l'IE? Tout simplement parce que Lucian... Son passif est vraiment hyper intéressant puisque comme vous pouvez voir, il tire deux coups. Et donc, si vous avez énormément de pourcents de critique, imaginez que vous mettez... Oh le salaud. Hop là.
Alors, attendez. Donc voilà, donc en fait, le passif, comme je le disais, le passif, si vous mettez deux critical hits, qui font à peu près, à la fin de la game, si vous avez des bons dégâts, ça fait à peu près 1000 de points de dégâts. Quelqu'un qui a de la résistance, on va dire à peu près 200. Pas du tout, pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme je voulais, mais bon. Et donc, si vous avez assez de dégâts, vous pouvez faire 1500 points de dégâts en deux auto-shots. Donc, juste avec votre... Imaginez, vous enchaînez avec un A, deux auto-shots, un Z, deux auto-shots. Et voilà, vous avez fini votre adversaire, même pas l'ulti. L'ulti, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait rien. Hein. Vous le sortez plus. C'est pour ça que c'est très intéressant sur Lucian. Donc, après, on va évidemment prendre... critical, moi j'ai un stuff hyper critical, donc on va prendre le danseur fantôme parce que tout simplement parce qu'il donne du critical et de la vitesse d'attaque, ce qui est intéressant évidemment puisque vous pourrez proc le critical beaucoup plus souvent. Hein. Meurs salaud, voilà. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant sur les scènes. Moi j'aime bien le critical. Après, évidemment, vous faites comme vous voulez. Il y a le vol de vie qui est intéressant aussi, mais bon, le vol de vie est très intéressant. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Donc, mon farm est plutôt bah, pas trop mauvais, hein, on va se dire. C'était très facile à farmer, hein, mais bon. J'en ai pas tellement profité que ça, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai 90 farms en 15 minutes, donc c'est intéressant. Le truc qu'il faudrait, c'est vraiment avoir 152 farms en 20 minutes. Je pense que c'est le must. On l'a défoncé, lui. Très bien, très bien, très bien joué de la part de notre petit Ramus qui joue au final pas trop mal. Hein. Joue même bien. Voilà. Donc là, il nous manque une tour, une des T1, donc on va pas se priver, on va continuer. Hein. Donc là, je fais pas encore beaucoup de critical puisque je n'ai que le manteau là, le Cloak of Agility, qui me permet donc de faire des critical. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas tout le temps du critical à faire. Donc voilà. Bien, ça se passe mal. Donc j'ai pris une tourelle. Oula, oula, aïe. Alors, ouais, bon, là c'est le ignite carrément. Il va pas l'avoir. Pas du tout, il était pas là. Mon ultime n'a pas fonctionné. On va prendre par derrière, voir. Allez! 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 On les a défoncés! Voilà, donc on les a démontés là. La hache, elle a rien compris. C'est plutôt marrant. Donc 8-1. Bon, très bon score, on va dire. Hein, donc oui, petite vidéo, très sympatoche. On va dire qu'ils jouent pas très très bien en face. Hein. Ils sont méga ballsy. Bon, après là, comment il s'appelle? Hop là, salut. On se met une bouffe. Quand tu veux. En plus, ça flash. Regarde, regarde. Là, je les bait. Ok. Oh, il m'a mis son arbrisseau. Oh, man. Oh, man. Ah, la barrière ne suffira pas. La barrière ne suffira pas. J'essaie de les bait. Ça n'a pas foncé. On a lieu. Donc là, ça va faire mal. Hein. On continue avec un item. On va prendre. On a presque. On a one shot un des items. Du fantôme, donc très intéressant. Donc là, shutdown du Timo qui faisait un bon score. Donc on se retourne. L'ultime, attention, 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 attention. Je pense le kill du Ramus. Ah, Ramus! Ah, les boules. Oh, oh, ça fait mal. Un Ramus, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Hein. Donc voilà. Donc l'Oriana qui a une vitesse de déplacement plus haute que la nôtre, je crois, non? Mais sauf que nous on a ça, donc voilà. Hop là, on lui dit au revoir. Très belle shockwave en tout cas. What? C'est moi qui fais ça là?
Hop, ferme ta gueule. Ok, vas-y, 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 Ramus, tu peux le faire. Tu fais un move de génie là, tu fais un move de génie. Allez! Pas du tout, pas du tout. On a foiré notre move. Oui. Merci Ramus de m'avoir protégé de ce petit arbrisseau trop mignon. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le petit arbrisseau? Ah. Ça ne va pas du tout. Bon, on fait du 10-2, c'est un très bon score. Oh man. Oh la chatte. Oui, bon, ça va. Ramus, hop, oh, bon, on peut l'avoir. C'est parfait. Donc on va prendre la Trinité ensuite, puisqu'on va continuer sur les dégâts critiques. Hein, donc on va prendre... 10% de dégâts critiques, on est à combien déjà? Alors là, on est à combien? Pardon. Nous sommes à 55%. Donc nous avons à peu près moitié de chance de pouvoir faire un dégât critique. Donc soit on prend la Yumu, qui va nous donner 15% de dégâts critiques, soit on prend le Static, qui va nous donner 20%, ce qui va nous faire arriver à 64%. Perso, je suis plus fan de la Trinité. Pourquoi? Parce que ça va nous donner de la vie et de la mana en plus. Effectivement, ça va pas nous donner énormément de dégâts critiques contrairement aux autres. Mais 10%, c'est déjà ça. Et en plus de la mana, donc Lucian en a cruellement besoin, on perd relativement vite de la mana si on utilise beaucoup ses spells pour push et tout ça. Et en plus, après, vous avez de l'armure, donc enfin de la santé plutôt, donc de la vie. Ah, mes auto-attaques, elles sont pas parties sur lui. Wouah! Ah, les non-dégâts par contre de cette ultimate. Oh, les baisses de FPS, ça ne va plus, ça ne va plus. Ah, le Teemo, il a posé ses champignons, l'ordi a planté. Ce que ceux qui joueront en League of Legends pourront comprendre cette vanne. Bon, arrêtez les baisses de FPS, là, je suis à 10 FPS par seconde. Ça va bien la comédie, là. Stop, please. Bon, je ferai une coupure, c'est très certainement. Ça ne veut pas revenir, c'est très très vilain. Bon. On verra bien comment ça va se passer. Oh, c'est dégueulasse. Oh non! Oh non! Je faisais une bonne game là! La baisse de FPS qui ne veut pas redescendre, qui veut pas remonter plutôt. Il suffit juste que j'utilise mon ultime pour dépasser cette wave. Oh là là, c'est dégueulasse, mais... Stop, please! Ah, si j'ai pas la fin de la game, j'ai le seum. Bon, on va back, on va aller voir ce qui va se passer. Non mais please, stop! Bon bah on va jouer comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh là là, mes vieux KS. C'est absolument faux. Donc le top qui n'est pas push, donc on va le push. Même comme toutes les autres lanes un peu, mais bon. Ah mais pourquoi? Mais please!
Bon, bah on va continuer. Bon, il a l'air de jouer mal, ce Rumble. Je l'ai démonté. Bah, oui, je veux bien. Mais si vous venez pas aussi, bande de... Tamis sont marrants. Si je baisse la qualité. Alors, voyons voir. Ok, bon, j'ai baissé un peu la qualité, donc normalement ça a eu un vieux bug sur votre écran, mais bon, on s'en carre puisque maintenant on a ça et que c'est revenu à peu près à la... Non, pas du tout, d'accord. C'est revenu à peu près à la normale, donc 40, 40 FPS, 50 FPS, ça tourne dans ces environs-là. Donc normalement vous avez un gros bug, sauf si je l'enlève au montage. Donc, pendant une partie, là j'ai bugué, donc j'ai fait un kill sur le Rumble, je vous le mettrai et c'est... aussi j'ai fait je suis mort par le magaï, ça aussi je vous le mettrai et c'est tout. Voilà, donc au niveau de la qualité évidemment c'est beaucoup plus dégueulasse, donc on verra bien comment ça se passera la prochaine fois hein. Mais bon, pour l'instant je laisse comme ça. Bon, c'est pas non plus hyper dégueulasse. Bon, les champions de Timo sont moches, mais de toute façon ils ont toujours été moches, donc ils sont toujours ultra laids, ils sont toujours ultra laids. Ta gueule, voilà. Punaise, je me fais tout le temps déranger là. Ok, bon. Re tout le monde, c'est Hollywood et aujourd'hui on se retrouve pour donc cette... La suite de cette vidéo, donc. Et re tout le monde. Donc, petite coupure, excusez-moi. Donc, cette vidéo est un peu bizarrement coupée, puisque je me fais déranger par la plupart des personnes de ma maison. Donc, c'est plutôt bizarre, hein, puisque normalement, ils le font jamais, mais bon. Alors, il y en a qui l'instant totalement, le stun insuffisant. You have slain an enemy, voilà, donc j'ai baissé la qualité comme je vous le disais, avant que je me fasse déranger. Donc j'ai commencé à avoir une de bons items. Voilà. Go Baron, pourquoi pas? Allez, on a fait tous les kills là, Go Baron. Oh mais... Stop! Stop les fesses! Mais punaise! Est-ce que... Ah oui, je fais des critical très souvent maintenant. Je fais combien de critical? 65%, ouais, tout à fait. Wow! Son paix là. Au revoir Lucien, je ne veux plus te voir dans mon antre. Donc très peu de thunes pour avoir la trinité. Donc le but c'est d'essayer de ralentir la... Bah, ralentir la game pour pouvoir en fait... pour pouvoir donc... avoir nos items et donc voir un peu. Bon voilà, donc là on peut pas plus instant de quelqu'un quoi. Triple kill. Allez. Mon quatuplé. Il est où mon penta? Hop, quadruplé. Bon, c'est pas vraiment un quadra, mais... On les démonte, c'est... C'est hallucinant, quoi. Bon, ils mettent pas longtemps à respawn. Hop, on back. Backé! Vous allez crever, vous allez crever! Pas du tout, ils vont pas du tout crever.
Fight me! Hop, on flash! Allez, on barrière, voilà. Allez, c'est la fin de la game. Ouais, bon, là, il faut peut-être... Oh, shutdown! Please! Encore une fois, Ace. Slash all. Good job. Voilà. Allez, bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne donc. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sans doute du Lolesque ou du Earth, sans doute du jeu d'utilisation, je ne sais pas, du Minecraft. Bon bah ciao tout le monde et à la prochaine vidéo.